présidentielle. Est-ce que Éric Zemmour est toujours votre candidat? Alors, filmez ici et maintenant. Bienvenue à Metz. 20 jours après ce premier tour. Filmez ce que vous voyez autour de vous et diffusez-le sur les réseaux sociaux. Merci d'être aussi nombreux dans cette fin d'après-midi à Metz. Nous sommes à l'aube de l'élection présidentielle la plus importante pour la Ve République. Des chemins, 6 mois à votre rencontre, à votre écoute, 6 mois pour vous proposer une offre politique unique, inédite et forte. Êtes-vous prêt à soutenir Éric Zemmour jusqu'au bout? Êtes-vous prêt pour ce premier tour? Êtes-vous prêt pour le Trocadéro la semaine prochaine? Chers amis, quelques verbes forts choisis par Éric Zemmour pour vous. Chers amis, bienvenue à Metz. Je voulais, avant de commencer ce moment, vous présenter ceux qui font cette campagne autour d'Éric Zemmour. Alors, ils ne sont pas tous ça. Il y a près de 250 personnes, bénévoles, contractuels, militants, avec des responsabilités au sein du parti et de la campagne. Je vais vous dire juste que sans vous et sans eux, rien n'existe. Je voulais vous présenter Thibaut Monnier, directeur des fédérations de Reconquête. Hilaire Bouillet, que vous avez lu tout à l'heure, vice-président de Génération Z. Pierre Fontaine, responsable des data. Maxence, qui est l'adjoint de Jonathan Lallier pour le programme.
Pierre Payet et Sébastien Béjean. Louis Marino qui s'occupe de l'événementiel au sein du parti. Et avec Tom, le chef de cabinet d'Éric Zemmour, Gaëtan. L'infatigable et l'indispensable responsable de notre logistique, Johanna Humphrey. L'adjoint du directeur de campagne, Baptiste Laroche. Celui sans qui il serait plus compliqué d'être candidat, le responsable des parrainages, Denis Selzig. Qui a travaillé avec Marc Guérin, qui est juste là, qui a été le tout premier maire à signer pour Éric Zemmour. Marc Guérin. Je voulais vous présenter aussi le directeur de campagne, Bertrand de Lachenel. Et avec tous nos amis politiques, maire de Moselle, du département, le jeune et fringant président GZ, Stanislas Rigaud. Bruno North, le président du CNIP. On ne présente plus aussi Nicolas Bay. Sébastien Pillard. Maxef Pirvacas, que nous allons entendre dans un instant. Jean Messia, qui va nous parler dans un instant. Le responsable de la stratégie numérique, Samuel Lafont. Avec Damien Rieu, Philippe Schelter, notre directrice de la communication, Isabelle Muller. Élu aussi maire de Moselle et notre porte-parole, Benjamin Cauchy. Merci à tous et merci à vous de donner tant et tant et tant. Reconquérir vos cœurs des 13 régions de France et de Navarre,
reconquérir nos deux territoires, parce qu'on est bien souvent oublié de la République française. Je vous demande encore de voter et faites voter le 10 avril, la reconquête pour Éric Zemmour. Et je le dis, vive les Outre-mer, vive la France et vive nos compatriotes de Metz. Merci. Je vais être bref, mais je le dis. La conviction que j'ai, moi qui suis des territoires, je le vis tous les jours. Je le vis de l'insularité, de l'éloignement, de l'isolement. Aujourd'hui, si nous ne votons pas pour Reconquête, c'est la transmission pour nos enfants. Comme je le dis, les valeurs sont importantes pour nous. Et aujourd'hui, nous devons mettre en place ces valeurs. Et c'est avec Éric Miller que nous allons le trouver, mes chers compatriotes de Metz. Croyez-moi. Et comme je dis tout le temps, nous ne voulons pas de marchands de rêve. Nous voulons du concret. Et nous voulons aujourd'hui qu'on vote pour Reconquête. Et aujourd'hui, votons pour qu'Éric soit président de la République. Je vous remercie. Et merci d'être là cet après-midi. Et merci de dire à vos amis, vos grands-pères, vos grands-mères, vos amis, de voter pour Reconquête. Ne vous laissez pas influencer. Nous sommes à moins de 23 jours des élections. Ne nous laissons pas influencer, je vous dis. Aujourd'hui, nous avons besoin de changer cette politique mortifère. Et c'est avec Éric que nous allons le changer. Je vous le dis. Je vous le dis, mes chers compatriotes de Metz. Alors ne soyez pas des égarés et je compte sur vous. Merci. Mesdames et messieurs, il est économiste, haut fonctionnaire, vous le voyez régulièrement sur les plateaux de télévision. Il est porte-parole d'Éric Zemmour et encore merci d'accueillir Jean Messia. Merci mes amis, merci pour cet accueil incroyable. J'ai habité Metz 3 années et j'habitais pas très loin de la rue des Allemands et j'ai soutenu ma thèse de doctorat, c'était la première d'ailleurs en sciences économiques à l'université qui s'appelait alors l'université de Metz. C'était en mars 99, thèse dans laquelle je démontrais justement qu'avec l'euro, la France était en train de construire l'Europe alors que l'Allemagne construisait l'Allemagne. Alors pour venir ici, comme vous le savez, je n'imaginais pas en quittant Metz au début des années 2000 que je reviendrais un jour dans cette ville pour parler avec notre futur président de la République. Pour parler de reconquête. Alors en arrivant ici, je me suis dit, mais reconquête de quoi? Reconquête par rapport à quoi? Et j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, la reconquête d'abord de ce que nous sommes, de ce qui fait notre identité. Vous vous rappelez, Emmanuel Macron qualifiait... Emmanuel Macron qualifiait tous les patriotes et les nationaux
Il nous qualifiait de lèpre nationaliste. Mais je pense que, en tant que président de la République, je ne sais pas ce qu'il a dans les yeux, mais ce n'est pas propre. Puisqu'en fait, la seule chose qui défigure notre pays aujourd'hui, c'est la lèpre de l'islam radical qui pousse ses pions chaque jour un peu plus. Cet islam radical qui nous bouscule dans ce que nous sommes, dans nos habitudes, qui veut nous imposer ses accoutrements moyenâgeux, qui, pour la gauche, lorsqu'on s'habille comme un bédouin du 8e siècle, c'est du progressisme. C'est le progrès. La France, comme chaque pays, n'exige pas de ceux qui vivent chez elle uniquement, nous n'exigeons pas de ceux qui vivent chez nous de vivre uniquement parmi nous. Nous sommes en droit, comme toutes les nations du monde, d'exiger de ces gens qu'ils vivent comme nous. Nous sommes chez nous, c'est-à-dire nous sommes des Français, nous entendons le rester. Ceux qui veulent vivre, qui sont parmi nous et qui veulent vivre comme nous, sont les bienvenus, sont des nôtres et avec eux, nous avons non seulement une histoire en commun, mais un avenir en commun. Quant à ceux qui veulent prétendre nous forcer à vivre comme là-bas, à parler comme là-bas, à traiter nos femmes comme là-bas, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'ils aillent là-bas. Toutes ces élites qui nous gouvernent depuis tant d'années, nos dirigeants, ce système antinational inique qui gouverne la France depuis une quarantaine d'années, qui s'étonnent que quelqu'un comme moi puisse changer de prénom en me traitant de traître à ses origines, de traître à sa culture, mais qui, lorsque Cassius Clay devient Mohamed Ali, ils applaudissent. Lorsqu'on devient français, lorsqu'on s'assimile à la France, nous devenons des traîtres. Et ils font lecture du parcours d'assimilation avec les lunettes de ce qu'ils sont, parce que ce sont eux les traîtres. La reconquête aussi de notre avoir, de notre argent que nous trimons pour gagner par rapport à une politique fiscale kleptomane qui ne nous laisse que peu de choses à la fin du mois. On nous explique depuis des années que la France est en faillite, qu'on aurait soi-disant cramé la caisse. Mais alors, bon sang de bonsoir, si on a cramé la caisse, pourquoi continue-t-on à faire venir des centaines de milliers de personnes chaque année pour leur offrir tout chez nous ? On n'a plus les moyens pour rien, on n'a plus les moyens pour augmenter les salaires, on n'a plus les moyens pour assurer aux Français un niveau de vie digne et un reste à vivre digne, mais on a les moyens de dépenser des milliards pour les mineurs isolés étrangers, on a des milliards pour sauver des... On a des milliards pour l'aide médicale d'État, on a des milliards pour loger toutes ces personnes qui viennent du fin fond du monde chaque année. En France, le français doit être prioritaire et doit être préféré à tout. Notre État, avec Éric Zemmour, cessera de nous asservir.
parce que de tout temps, l'État français est là pour nous servir et pas pour nous asservir. La reconquête avec Éric Zemmour, c'est la reconquête aussi face à tous les irrédentismes identitaires ou alter-identitaires comme le wokisme. Vous savez, le wokisme, du verbe se réveiller en anglais, qui prétend réveiller toutes les identités de la Terre. Toutes les identités, qu'elles soient culinaires, sexuelles, climatiques, que sais-je encore. Ils veulent nous rendre honteux de ce que nous sommes, ils veulent déboulonner notre statut, effacer notre histoire. Avec Éric Zemmour, nous prétendons que la seule et unique identité qui mérite d'être réveillée en France, c'est l'identité française. La reconquête aussi de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains face à des tentatives de transformation monstrueuses de l'être humain lui-même, avec des lobbies qui nous expliquent qu'un homme est une femme comme une autre, qu'une femme est un homme comme un autre, qu'un homme peut devenir enceint. En fait, peu importe ce que les êtres humains ont entre les jambes, ça dépend de ce qu'ils ressentent. Mais alors, il est marrant, Robert. Il nous explique que le genre, c'est beaucoup plus important que le sexe. Mais alors, pourquoi diable nous emmerde-t-il avec la parité? Si on a un gouvernement de 10 mecs, il suffit de leur dire qu'il y en a 5 qui se sentent femmes, et voilà la parité. Non mais, quand on prend quelques secondes pour réfléchir, on se dit, mais on est chez les fous. Donc, mes chers amis, c'est tout simplement la reconquête tous azimuts, la reconquête de notre pays. Alors, je me suis mis à faire un rêve et je me suis dit, quelle France aura-t-on si Éric Zemmour, quand Éric Zemmour sera président de la République? Eh bien, quand Éric Zemmour sera président de la République et que nous entamerons cette grande tâche nationale pour refaire de notre pays ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un grand pays, eh bien, chacun se lèvera le matin pour aller travailler avec fierté et avec joie. Joie parce qu'il sait que son travail, en même temps qu'il l'accomplit lui-même, accomplit une tâche plus grande que lui, qui est celui de participer à la grandeur de notre pays. Un travail qu'il sera heureux d'accomplir parce qu'il sait qu'il lui rapportera à la fin du mois beaucoup plus qu'il ne lui rapporte. La France d'Éric Zemmour sera également une France où il fera bon se balader partout, où on pourra, entre potes, aller boire un verre dans les quartiers nord de Marseille, redevenu français. Où l'on pourra inviter des amis au cinéma en Seine-Saint-Denis, redevenu une zone parfaitement tranquille et française. Une France qui pourra rester multiple, mais qui sera redevenue une France unie culturelle, avec tous les cœurs qui constitueront un seul cœur qui battra pour un seul pays, notre pays. Et cette France d'Éric Zemmour sera une France apaisée, pacifiée,
une France fière d'elle-même, une France qui pourra dire à son armée d'aller faire des opérations extérieures pour défendre les souverainetés et les identités, mais qui donnera aussi à sa police l'ordre d'aller dans les quartiers chercher les malfrats pour rétablir l'identité et la souveraineté française en France. Alors, moi, je vous le dis, si vous voulez que ce rêve devienne réalité, si vous voulez que ce rêve devienne réalité, il faut que vous vous mobilisiez de manière générale, absolue, que vous vous leviez comme un seul homme pour aller faire voter Éric Zemmour dans toutes les villes, dans tous les villages, parce que notre salut, notre destin en passe par là. Et c'est moi, le Français assimilé, qui n'ai pas une seule goutte de sang français, mais dont la France coule dans les veines. Je vous dis aujourd'hui, je parle à vos cœurs, et je vous dis que la France est un trésor magnifique qui mérite d'être protégé et sauvé à tout prix. Dans un instant, je vais laisser la parole à notre futur président de la République, mais en attendant, je vous le dis, vive la République et surtout, vive la France! Merci!
Mesdames et messieurs, il est votre candidat pour être le prochain président de la République française. Merci d'accueillir monsieur Éric Zemmour. Bonsoir mes chers amis. Merci à vous. Vous êtes ici dans cette salle, plus de 4000 et 10 fois plus sur Internet. Merci d'être avec nous. Quelle joie de vous retrouver ici à Metz, au cœur de cette terre de Lorraine, dont le nom sacré résonne comme un des joyaux de notre histoire. La belle Lorraine, pays des lacs et des forêts, pays de Saint-Nicolas, des Francs, de Lothaire et des trois évêchés. La patrie de Jeanne d'Arc. La terre aussi de Verdun, de Douaumont, des tranchées, des cicatrices guerrières. Le lieu profond des hauts fourneaux, des belles industries et des grandes messes qui nous accueillent, berceau des Carolingiens, cité au passé trois fois millénaire, dont la lumineuse cathédrale impressionne depuis toujours les Français par sa grandeur et sa puissance. Oui, ce soir, là où souffle l'esprit, nous retrouvons les héros de toutes les résistances. Jeanne d'Arc et bien sûr la Croix de Lorraine, symbole de la France libre, héritée des ducs de Lorraine. Hérité des ducs de Lorraine et choisi par le général de Gaulle pour devenir aux yeux des Français, comme aux yeux du monde entier, l'emblème de la victoire et de la liberté. Mes chers amis, c'est donc dans l'émotion puissante de notre histoire, avec la force conquérante de nos héros, que je m'adresse à vous ce soir. Merci, moi aussi. Mes chers compatriotes, je veux qu'en sortant de ce meeting, vous soyez fiers en tant que Français, car nous portons le fil d'une histoire glorieuse, nous portons le cœur battant de l'amour de la France, nous portons la fierté d'une campagne qui s'annonce victorieuse. Alors que reste 23 jours avant le premier tour, voici venu le temps de l'ultime chevauchée. Voici venu le temps de l'audacieuse épopée qui va nous permettre de sauver la France.
Dans 23 jours, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Dans 23 jours, avec vous, grâce à vous, j'ai rendez-vous avec les Français. Avant d'y revenir, je veux retracer avec vous les grandes étapes qui nous ont permis de nous retrouver ce soir si nombreux, si joyeux, si grands, si forts et si déterminés. Retracer le récit de ce que nous avons accompli est essentiel à quelques jours du premier tour pour comprendre ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je me souviens du mois de mars dernier. C'était il y a un an. Cela semble une éternité. À l'époque, je n'étais pas candidat. Rien ne me destinait à me retrouver ici, ce soir, à Metz, devant vous, pour partager avec vous cette flamme qui brûle au plus profond de moi, mon espérance pour la France. Rien ne m'y destinait. Je ne suis pas un politicien. J'exerçais un autre métier et j'accomplissais d'autres missions. Je menais une vie risquée, je vivais sous protection policière, mais j'étais heureux. Pourtant, quelque chose venait abîmer ma joie de vivre. Quelque chose me taraudait. Comme vous, j'étais inquiet pour notre pays. De plus en plus inquiet pour la France que je lèguerai à mes enfants et à mes petits-enfants. Alors, j'ai réfléchi longuement, j'ai regardé autour de moi si un homme ou une femme politique aurait assez de courage, de compétence ou de sincérité pour vaincre la fatalité française. Je n'ai vu personne. Oui, j'ai refusé de laisser notre pays s'effondrer. Je me suis levé et je suis là. Je suis là devant vous ce soir. Et vous êtes là, si nombreux, si enthousiastes, si forts, si fiers, car vous savez que nous allons sauver la France. Je sais que certains d'entre vous ne s'intéressent à la campagne présidentielle que depuis peu. Vous découvrez les différents candidats, les différents programmes, et vous cherchez à vous faire votre avis. Alors, je suis venu vous raconter l'histoire de cette campagne, de juin dernier à aujourd'hui, car nous devons ensemble en tirer de nombreux enseignements pour les semaines qui viennent. Des enseignements sur nos adversaires, des enseignements sur le programme qu'il faut pour relever la France, mais aussi, et je le dis humblement, des enseignements sur moi-même comme candidat et comme futur président. Rappelez-vous, en juin dernier, cette présidentielle était jouée d'avance. Le scénario était prêt dans ses moindres détails. Emmanuel Macron affronterait Marine Le Pen et il serait réélu en la battant à plate couture comme il y a 5 ans. La Macronie jubilait, la droite
se résignait, la France désespérait. Marine Le Pen était alors censée gagner 3 régions lors des élections régionales, puis arriver au second tour de la présidentielle sans faire campagne, avec un électorat soi-disant acquis pour toujours. Avec les journalistes, elle répétait en boucle que jamais ces électeurs patriotes ne vous suivraient, ne nous suivraient, et que nous ferions 3%. À ces régionales, Marine Le Pen n'eut pas les résultats escomptés, comme en 2017, comme en 2015, comme en 2012. Car, comme à l'habitude, elle perdit 10 points entre les sondages des derniers jours et les résultats du vote. Pourquoi ? Je le dis sans méchanceté, mais je dois le dire par sincérité, parce que Marine Le Pen ne peut pas gagner et ne le pourra jamais. Elle a perdu en 2012, elle a perdu en 2017, elle perdra en 2022, en 2027, en 2032. Nous en avons assez de ces défaites. Nous ne voulons plus perdre, nous ne pouvons plus perdre, nous devons gagner pour la France. Alors, depuis, beaucoup des électeurs du Rassemblement national m'ont rejoint. Marine Le Pen les a méprisés, mais elle n'a pas vu qu'en réalité, c'était elle qui les avait déçus. Ces électeurs du RN, comme je les aime et comme je les comprends, ils sont à l'avant-garde du combat pour la France. Je sais que vous êtes nombreux dans cette salle à avoir cru au Front national, puis au Rassemblement national. Je vous dis bienvenue dans la reconquête, mes chers amis. Bienvenue dans l'union des droites. Bienvenue dans l'union des patriotes. L'année dernière, déjà, je voyais que 75% des Français ne voulaient pas de ce faux duel Macron-Le Pen parce que la France ne voulait pas 5 années de plus avec Macron. Alors, j'ai réfléchi et d'autres ont commencé à réfléchir avec moi. En septembre, je suis allé à Toulon présenter mon dernier livre et l'enthousiasme que j'ai rencontré a stupéfait les commentateurs. Il a terrifié la Macronie et déprimé la gauche. Je n'étais qu'un écrivain et voilà que mes lecteurs me demandaient d'écrire l'histoire. Oui, oui, mes chers amis, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Oui, mes chers amis, nous sommes en train de continuer l'histoire de France. À mesure que je parcourais la France, l'attente a grandi. Elle est devenue le cœur du débat politique. Grâce à vous, je suis devenu le candidat de l'espoir pour les patriotes et l'opposant de tous les adversaires de la France. Mes amis, à l'époque, nous sommes au mois d'octobre, les journalistes commencent à prendre la mesure de ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Nous sommes devenus le centre de gravité de l'élection car nous avons imposé nos convictions et le sujet de la France. Alors, nourris par votre ferveur, portés par votre espoir, conscient de mon devoir, j'ai pris ma décision. Nos ennemis se sont déchaînés, nos amis et nos alliés se sont multipliés. Notre parti est devenu le plus puissant de France. Nos meetings sont devenus les plus fervents. Notre espoir est devenu le plus brûlant. Tout cela, c'est grâce à vous. C'est vous qui l'avez rendu possible et c'est à vous que je le dois. Je
Je le dois à mon équipe extraordinaire, à chaque personne dans cette salle, à chaque personne qui nous regarde sur Internet, à chacun de mes 120 000 militants. Merci, mes amis. Disait seul. Mais regardez les fillonistes, les sarkozistes, les gaullistes, les fidèles du RPR et tant d'électeurs des Républicains ont retrouvé l'espoir dans la droite et sont venus à nous. Les électeurs, oui, les électeurs du Rassemblement National ont retrouvé espoir dans la politique et ont enfin senti le goût de la victoire. Ils nous rejoignent plus nombreux chaque jour. Tous ces patriotes sont venus retrouver la fierté d'être français. Cela s'appelle l'union des droites. C'est notre stratégie pour atteindre notre seul objectif, gagner l'élection présidentielle pour sauver la France. Oui, oui, c'est une vraie révolution politique que nous sommes en train d'accomplir. Chacune de nos victoires, nous allons les chercher tout seuls. Rien ne nous a été offert, rien ne nous sera donné. Aujourd'hui, ils sont en train de tenter de vous voler l'élection. Ils veulent réinstaurer le match Le Pen-Macron dont vous ne vouliez plus. Cette finale, sans aucun suspense, spectacle de catch où tout est truqué entre l'éternel adolescent et l'éternelle perdante. Cette triste rencontre, tellement prévisible, jouée même avant d'avoir commencé et qui les arrange tant. Ils veulent un duel qui ne change rien. Ils en rêvent depuis 5 ans. Ils organisent la réélection de Macron et c'est Marine Le Pen qui lui fera la courte échelle. Elle l'a déjà fait une fois, elle connaît son rôle par cœur. Et savez-vous pourquoi? Parce que Marine Le Pen ne veut pas sauver son pays, elle veut sauver son parti. Elle dit qu'elle est le vote utile, mes amis. Utile, oui, mais utile pour Emmanuel Macron. Nous sommes le vote vital. Vital pour la France, vital pour les Français. Nous sommes ceux qui disons non. La France mérite mieux que ce faux duel. Le soir du débat du second tour sera un soir de vérité. Ce sera le débat dont Macron ne veut pas. Alors, j'affronterai Emmanuel Macron pour vous défendre et défendre notre pays. Car défendre les Français est la raison de mon engagement, le sens ultime de ma candidature. J'ai rencontré tant de gens ces derniers mois et de chacun d'eux, de chaque conversation, de chaque visite, je tire les leçons pour l'avenir de notre pays. J'ai rencontré nos soldats à Abidjan et j'ai vu dans leurs yeux le chagrin pour leurs camarades morts au combat. Je n'oublierai jamais leur force d'armes. Pour eux, nous avons un devoir de puissance. Alors, je porterai le budget de nos armées à 70 milliards d'euros. Notre défense est nationale, pas européenne ni américaine, car nos soldats, nos marins, nos aviateurs sont engagés au risque de mourir pour la France et rien d'autre. J'ai rencontré ce policier.
qui ne passe pas une journée sans se faire insulter par des racailles et qui n'a pas le droit de leur tenir tête. Pour lui, je veux la légitime défense. Pour lui, je veux la sévérité avec la racaille, la fin du laxisme judiciaire et l'expulsion des délinquants étrangers. Pour lui, comme pour toutes nos forces de l'ordre, je veux que la peur change de camp. J'ai rencontré cet agriculteur qui croule sous la paperasse, les normes absurdes et les contraintes injustes. Il est au bord de la faillite alors qu'il travaille plus que n'importe quel technocrate chargé de le contrôler. Quand il sera à la retraite, il touchera moins que le moindre demandeur d'asile arrivé hier sur notre territoire alors que lui a passé sa vie à nourrir la France. Pour lui, je veux un salaire décent, je veux une retraite digne et je veux en finir avec le zèle sur les réglementations infernales de l'Union européenne. Il n'y a aucune raison que la France étouffe ses travailleurs en voulant faire toujours plus que ce que Bruxelles demande. J'ai rencontré ce Lorrain de 60 ans qui, pas plus que ses voisins alsaciens, ne comprend cette méga région Grand Est, énième absurdité technocratique et politicienne des gouvernements Hollande et Macron. Je redonnerai à nos régions leur dignité, de la Bretagne à la Corse. Je respecterai leur terroir, leur identité et leur histoire. J'ai rencontré Olivier. Olivier, ce philosophe corse, amoureux de son île et amoureux de la France. Pour lui, comme pour l'écrasante majorité des Corses, la défense de son identité ne passe pas par la mort de la France. Oui, comme lui, la Corse s'est insurgée à la mort du préfet Erignac. Alors, pour lui, je veux une France qui n'inflige pas la double peine en éloignant les prisonniers. Je veux une France qui lutte contre le djihad et qui empêche qu'un détenu se fasse assassiner en prison par un islamiste. Je ne veux pas d'un État qui cède aux émeutiers, pas plus à Bastia qu'à Roubaix ou à Villeurbanne. Je veux une Corse qui redevienne fière de la France, fière du pays auquel elle a adhéré le 30 novembre 1789 pour sa grandeur et pour sa puissance. Retrouvons la France et nous retrouverons l'amour des Corses pour la France. J'ai rencontré cette infirmière qui n'a plus l'équipement nécessaire pour sauver les vies qu'on lui confie, qui s'est sentie méprisée quand, à la fin de la crise sanitaire, elle n'a pas vu sa situation s'améliorer, quand elle a vu ses collègues se faire renvoyer parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Pour elle, je soutiendrai enfin l'hôpital. J'embaucherai 40 000 personnels hospitaliers sur tout le territoire avec un vaste plan d'investissement. J'augmenterai le salaire de nos infirmiers et aides-soignants à domicile de 10% pour leur permettre de vivre décemment de leur travail. Et pour tous ses collègues, je réintégrerai au plus vite les médecins et les soignants qui ont été chassés de l'hôpital parce qu'ils demandaient la liberté de se vacciner ou non. Nous avons besoin d'eux.
J'ai rencontré cette grand-mère à qui un immigré clandestin avait volé son sac. Mais ce sac contenait ses souvenirs les plus précieux et la photo qu'elle gardait depuis toujours de son mariage avec son mari décédé. On a arrêté le clandestin. Il a été relâché dans l'heure parce qu'il était mineur et étranger. Et cette grand-mère n'a jamais obtenu la justice ni récupéré ses souvenirs. J'ai rencontré cette jeune femme travailleuse, indépendante, tellement courageuse et dont la carrière est en permanence en danger à cause des normes, des taxes et des impôts. Elle ne veut plus que l'État l'étouffe et ruine ses efforts. Elle voudrait travailler et vivre de son travail. Les impôts ne l'étoufferont plus. Je ferai un État qui cessera de lui prendre son argent et sa dignité. J'ai rencontré cet ouvrier qui a travaillé et cotisé toute sa vie et qui gagne moins que celui qui n'a jamais travaillé et jamais cotisé. Pour lui, je veux revaloriser le travail, le mérite, l'effort. Je mettrai en place une prime sans aucune charge, ni salariale, ni patronale, qu'il recevra parce qu'il a travaillé dur. Je veux augmenter son salaire en abaissant la CSG qui le plombe. Je veux que le patron rembourse ses frais d'essence pour aller travailler à l'heure où les prix du carburant explosent. J'ai rencontré cette mère de famille qui a un fils handicapé et que mon propos, une fois caricaturé par les médias, avait blessé. Cette femme m'a écrit pour me le dire et j'ai tenu à lui expliquer ma position loin des caméras de télévision. À la fin de la conversation, elle m'a remercié car elle a compris que je voulais le bien de son enfant et de toutes les familles qui connaissent le handicap. Elle a compris que je ne voulais pas lui mentir, moi, et que je ne voulais plus que l'État délaisse l'école spécialisée pour des raisons budgétaires, car ce sont ses enfants qui en souffrent. Partout en France, à Béziers, à Nîmes, à Toulon, à Paris, j'ai rencontré ces pieds noirs que j'aime tant. Quelle résonance pour moi, comment ne pas repenser à mes ancêtres qui ont dû fuir l'Algérie pour arriver sur le continent. Les pieds noirs ont été sans doute les premiers à pressentir au fond d'eux-mêmes ce qui se jouerait un jour, des années plus tard, sur notre propre sol. Alors, les pieds noirs prient chaque jour que leurs enfants ne connaissent pas le malheur et la violence qu'ils ont connus eux-mêmes. Je prie avec eux et je les assure que je l'en empêcherai. Demain, ce sera les 60 ans de ce cessez-le-feu qui n'a pas cessé le sang. Il y a 60 ans, c'était la signature des accords d'Évian entre la France et l'Algérie. Cette guerre atroce dont nous continuons de subir les effets sur notre sol à cause de la rancœur que les Algériens portent encore contre nous. Pourtant, souvenez-vous, en février 2017, Emmanuel Macron a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité sur une chaîne de télévision algérienne. Oui, vous avez raison de siffler. Quelle impudence, quelle folie. Avec ces mots, Emmanuel Macron a excité chez les jeunes originaires d'Algérie le rejet de notre pays, parfois jusqu'au passage à l'acte violent. Ce sont aussi des paroles terribles pour les rapatriés d'Algérie et les harkis, pour leurs descendants
qui n'oublieront jamais les exactions, les massacres et l'exode. Alors, je vous le promets, je mettrai fin à cette repentance pour notre honneur, pour notre sécurité, pour ramener enfin la paix. Pour la même raison, je mettrai définitivement fin aux privilèges migratoires exorbitants des Algériens. Il n'y a aucune raison que les Algériens aient des passe-droits pour venir chez nous. Dès l'été de mon élection, je me rendrai au Maghreb, en commençant par l'Algérie. J'entamerai une tournée pour remettre à plat nos relations et affirmer notre position. Le respect, pas la repentance de Macron, de Castaner et de Darmanin. Je veux une France forte et qui s'assume et s'affirme à nouveau comme une puissance méditerranéenne. Dans un dialogue de vérité, 60 ans après son indépendance, je traiterai l'Algérie en état mature, en pays comme les autres, considérant que de part et d'autre, nous sommes définitivement défaits du lien colonial. Je vais plus loin. Je conditionnerai désormais les aides financières et l'octroi de visas à la coopération contre les migrations clandestines. Je veux que les pays du Maghreb reprennent leurs clandestins comme les délinquants étrangers condamnés pour qu'ils aillent purger leur peine dans leur pays d'origine. Je veux également en finir avec la fraude sociale des ressortissants d'Algérie, car il n'y a aucune raison que ces fraudes soient financées par nos travailleurs. Je pense à Patrick Jardin, ce père auquel personne ne pourra jamais rendre justice parce que sa fille Nathalie a été assassinée par des djihadistes un soir au Bataclan. Il n'oubliera jamais ce cauchemar. Je n'oublierai jamais ses larmes. À Nice, nous avons rendu hommage ensemble aux victimes du djihad. Je ferai tout pour que le djihad ne frappe plus sur notre sol. Je n'oublierai jamais cet arrière-grand-père de 96 ans qui m'a dit « Ce que vous dites de la France qu'on a connue est vrai et mille fois vrai. Et cela me fait mal quand j'entends les médias vous dire que vous avez tout inventé. Ils nous retirent même le droit de chérir ce que nous avons perdu de beau dans le pays que nous aimons. Je n'oublierai jamais son intelligence. Je ferai tout pour donner à nos enfants le meilleur de la France, de notre enfance. La prospérité, la sécurité, le plein emploi, l'identité. Je n'oublierai jamais cet étudiant grenoblois qui m'a raconté qu'il se fait agresser presque tous les soirs sur le trajet de la fac et qu'il avait appris à sortir son téléphone pour ne plus se le faire voler. Arthur m'a dit, « Monsieur, nous en avons assez de baisser les yeux. Vous êtes notre unique recours. »
Je n'oublierai jamais sa peur. Et je ferai tout pour qu'il n'ait plus peur, pour que la peur change de camp, pour que les voyous payent enfin d'avoir terrorisé si longtemps nos enfants, nos parents, nos femmes et nos filles. Oui, oui, je veux que nos femmes et nos filles vivent en sécurité, qu'elles puissent s'habiller comme elles veulent, quel que soit leur quartier. Je veux qu'elles puissent prendre les transports en commun sans avoir peur de se trouver seules dans un wagon vide face à une bande de racailles. Je veux que les Françaises puissent sortir avec un sac à main et qu'elles n'aient plus besoin de trouver des astuces pour éviter les vols à l'arraché. Trop d'entre vous, mesdames, me racontent qu'elles ne portent plus leurs sacs ou leurs bijoux, qu'elles cachent leur téléphone, qu'elles mettent uniquement des sacs en bandoulière dans la rue parce qu'elles ont eu trop de mauvaises expériences. La dernière fois, une jeune femme me disait que tous les matins, devant son armoire, elle s'empêchait de porter certaines tenues par peur de se faire insulter ou pire. Ça suffit. Vous méritez la liberté, vous méritez la sécurité, vous méritez la paix. Je n'oublierai jamais Samia, cette Française de confession musulmane qui m'a dit combien elle espérait que la France la libère de la pression de ses frères et de son père qui la forçaient à porter le voile. Alors je dis aux femmes musulmanes, oui, j'interdis le voile pour des raisons de civilisation, mais je n'interdis sûrement pas le voile contre vous ni contre votre liberté. Bien au contraire. Vous êtes nombreuses à m'avoir confirmé que cette interdiction du voile était la meilleure façon de protéger les femmes musulmanes. Car oui, seule la loi peut vous permettre de sortir de l'oppression de vos maris et des caïds de vos immeubles. Tant de femmes musulmanes m'ont raconté ces derniers mois qu'elles auraient aimé sortir sans voile, mais qu'elles craignaient les reproches, voire parfois les insultes et les coups de leurs maris, de leurs grands frères, de leurs cousins ou de leurs pères. Je veux que la loi vous protège, et si la loi peut vous donner une excuse pour sortir de la contrainte, alors la France pourra être fière d'elle-même. C'est ce qu'a fait la Tunisie de Bourguiba, et les femmes tunisiennes le remercient jusqu'à aujourd'hui de leur avoir offert la liberté. Mes amis, j'ai rencontré tant de monde ces derniers mois. J'ai vu nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos commerçants, nos artisans, nos indépendants. J'ai vu nos soldats, nos policiers, nos gendarmes. J'ai vu nos infirmières, nos médecins, nos étudiants, nos retraités. J'ai vu la France qui ne votait plus, la France qui n'y croyait plus, la France qui déteste les politiciens parce qu'ils ont trop menti, parce qu'ils ont trop trahi. J'ai vu la France sans filtre, sans censure, sans langue de bois, sans politiquement correct. J'ai toujours pensé que notre urgence était de mettre fin à l'immigration et de rétablir la sécurité dans nos rues. Ce Tour de France me l'a confirmé. Mais il m'a appris aussi à quel point les Français étaient dans l'urgence, dans la France d'Emmanuel Macron, dans l'urgence pour récupérer leur pouvoir d'achat. Dans notre pays, le pouvoir ne paye plus assez, les prix explosent et les taxes et les impôts sont trop lourds. J'ai compris à quel point les Français étaient dans l'urgence pour leur santé, en particulier dans les déserts médicaux, dans la ruralité comme dans les villes. Dans l'urgence
pour respirer enfin au milieu des contraintes écrasantes de la bureaucratie, des normes absurdes, d'un État qui préfère être cruel avec les honnêtes gens plutôt qu'implacable avec la racaille. J'ai compris à quel point les Français espéraient que l'école de leurs enfants instaure enfin de nouveau la discipline, condition première de l'excellence. Pour la préservation de leur paysage défiguré par les éoliennes. Oui, tous ces Français qui ne se plaignent jamais, qui affrontent les difficultés de la vie avec dignité, tous ces travailleurs qui ne cassent pas, qui ne brûlent pas de voitures, même quand ils sont désespérés, même quand l'État est injuste avec eux, même quand nos élites les oublient. Tous ces Français ont fait encore grandir ma passion pour la France et mon désir de la servir. J'ai saisi ce que le pays attendait et mon programme y répond. Ce programme est précis et ambitieux. Je le construis depuis des mois avec l'aide de gens brillants venus de tous les départements de France exerçant toutes les professions. Ce ne sont pas des technocrates, ce ne sont pas des idéologues. Comme moi, ils sont tous passionnés par la France et n'ont qu'un seul souhait, servir la France pour servir les Français. Car oui, si vos votes m'en donnent les moyens, je vous servirai sans relâche. Depuis des mois, je n'ai pas seulement appris sur la meilleure façon de redresser notre pays. Je n'ai pas seulement appris sur vous. J'ai aussi appris sur moi-même. Car écrire des livres, intervenir sur les plateaux de télévision et concourir pour la présidence de la République, ce n'est pas du tout la même chose. Vous voulez savoir ce que j'ai gardé de mon précédent métier ? La sincérité. Et vous savez ce que certains veulent parfois me faire payer dans cette campagne ? C'est ma sincérité encore. Il m'a fallu apprendre et apprendre vite. L'apprentissage que mes concurrents ont eu une vie entière pour assimiler, je n'ai eu que quelques mois pour l'intégrer. Quand on écrit un livre, on prend son temps. On réfléchit à chaque phrase, on rature, on corrige et on efface. Quand on débat à la télévision, on a tous les droits, on dit ce qu'on pense sans se demander si cela va plaire. Et on a le temps de voir ces idées infusées et gagnées à la fin, même si elles avaient choqué au départ. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et c'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. Oui. Oui, j'ai mis 20 ans pour imposer mes idées et je peux dire en toute modestie que j'y suis souvent arrivé. 20 ans de combat, 20 ans de prise de risque pour vous défendre. J'ai accepté les... Merci à vous. J'ai accepté les condamnations. J'ai accepté de vivre sous protection policière parce qu'il n'y a rien de plus beau pour moi que rendre à la France tout ce qu'elle m'a donné. Alors J'ai appris que dans une campagne présidentielle, une phrase de trop se paye cher,
quand on n'a pas le temps de la défendre, quand on a des adversaires malhonnêtes qui ne cherchent pas à débattre, mais à tuer. Quand on m'a accusé injustement sur les enfants handicapés, cela a pris du temps, mais les Français m'ont finalement compris et pardonné. Quand on m'a accusé d'être insensible au sort des réfugiés ukrainiens, j'ai démontré que c'était par respect pour eux que je voulais aider la Pologne à les aider et à les accueillir. Des accusations de ce genre, il y en a eu beaucoup d'autres et il y en aura encore beaucoup d'autres dans les semaines qui viennent. Je suis prêt. Apparemment, vous aussi, vous êtes prêts. Oui, nous sommes prêts à sauver la vérité pour sauver la France, quoi que disent nos adversaires. Nous ne cacherons jamais une vérité pour plaire aux journalistes ou aux sondeurs. Ils ne feront pas la loi, car la France a besoin de vérité. Ils disent que je suis brutal. Parce que je suis le seul candidat à être ferme. J'assume cette fermeté. Vous savez mieux qu'eux que ce n'est pas moi qui suis brutal, mais la réalité que vivent nos concitoyens tous les jours. Vous savez comme moi que ce n'est pas moi qui suis dur, mais la violence dans notre pays, son remplacement, son déclassement, sa dette, son pouvoir d'achat qui s'effondre, son désespoir. Je ne fais que décrire cette dureté de la manière la plus exacte, la plus objective. Je ne fais que proposer les seules mesures qui nous permettront enfin de sauver notre pays. Je n'étais pas au pouvoir, contrairement à eux, quand ils ont laissé s'installer cette violence. Je ne l'ai pas inventé, la crise que notre pays traverse. Tout ce que je veux, c'est mettre fin à la brutalité que vous vivez, à la dureté que vous ressentez. Et c'est par la fermeté que nous y arriverons. Comment mettre un terme à l'impunité, à la récidive, au laxisme, sans ma détermination ? Comment empêcher l'islamisation de notre pays sans mon autorité ? Comment tenir tête aux pays du Maghreb et d'Afrique qui ne veulent pas reprendre leurs clandestins si on est vaincu d'avance ? Dans la crise que nous traversons, il faut à la France un président ferme, un président qui se tient droit, un président qui ne baissera jamais les yeux. Ils pensent que c'est la mollesse qui rétablira la paix. Ils répètent en boucle que ceux qui sont fermes veulent la guerre. Mais c'est tout l'inverse. Dans quel monde vivent-ils ? Connaissent-ils seulement les voyous qu'ils veulent combattre ? Croient-ils sincèrement que c'est grâce à la politique de la ville, grâce aux aides sociales et grâce à des selfies qu'ils empêcheront l'islamisation de notre pays ? Ils ignorent l'histoire, ils confondent douceur et faiblesse, ils confondent humanité et lâcheté. Je n'ai pas toujours, je l'avoue, réussi à garder mon calme devant l'injustice de certaines attaques. Je suis
un Méditerranéen. Je ne suis pas de ceux que rien n'émeut jamais et je ne souhaite pas d'ailleurs le devenir. Vous non plus. Vous ne voulez pas que je le devienne. Mais je vous rassure, si je tiens tête à tous les autres, c'est pour vous. Pour défendre les intérêts des Français, je suis le plus offensif, mais aussi le plus rationnel et finalement le plus sage. J'ai compris, je crois, ce que les Français attendent d'un président de la République. J'ai compris l'importance de la parole du candidat. J'ai compris ma responsabilité devant tous ceux qui croient en moi et pour qui mon élection est la dernière chance. Il y a des erreurs que je ne ferai plus. Et pour ne plus les faire, il faut les avoir faites. C'est une différence entre les autres candidats et moi. Eux font toujours les mêmes erreurs toute leur vie. Moi, je ne l'ai fait qu'une fois. Ils vous disent que je suis un idéologue. Vous avez raison de ne pas les croire. Je hais les idéologies, ces systèmes de pensée qui vous lavent le cerveau et vous empêchent de comprendre le monde. Mes idées ne sont pas idéologiques. Le patriotisme n'est pas une idéologie. La confiance en la France n'est pas une idéologie. Nous sommes le refus de toutes les idéologies, le refus de la langue de bois et de la censure. J'ai appris, oui, que ma sincérité pouvait changer radicalement les règles du jeu politique français. Alors, je vais continuer. Ce qu'ils appellent diabolisation, c'est l'outil que les médias ont trouvé pour culpabiliser les Français de penser ce qu'ils pensent. Mais cela ne fonctionne pas sur moi et cela ne fonctionne pas sur vous. Ils vous disent que je suis misogyne. Et vous avez tellement raison de ne pas les croire. Avez-vous vu quel genre de femmes m'entourent au quotidien? Savez-vous quel genre de femmes sont Marion Maréchal, Laurence Trochu, présidente du mouvement conservateur, Jacqueline Mourot, leader des Gilets jaunes, Maxette Birbacas, ici présente. Elles sont du genre qui détestent les misogynes, le genre de femmes libres, franches, déterminées. Ceux qui pensent que je suis misogyne ne connaissent pas Sarah, Sophie, Isabelle, Diane, Christine et toutes les autres. Voilà les femmes avec lesquelles je travaille 7 jours sur 7 depuis des mois. Alors, chers amis, applaudissons-les. Car oui, j'ai les meilleures conseillères de cette campagne présidentielle. Grâce à elles, impossible n'est pas français. Impossible n'est pas française. Mesdames, merci. Le candidat parfait n'existe pas
pas plus que l'homme parfait, mais je crois pouvoir dire humblement que je suis meilleur candidat aujourd'hui que lors de ma déclaration de candidature. Pendant 6 mois, j'ai tout donné à la France et je vais continuer pendant les semaines qui restent et pour les 5 prochaines années, parce que c'est l'idée que je me fais d'un candidat à la présidence de la République. Parce que c'est mon tempérament, parce que c'est ma nature, parce que c'est ce que les Français sont en droit d'attendre de moi. Aujourd'hui, je ne doute pas, je suis plus lucide, plus solide, plus vrai. J'ai appris que je pouvais devenir le prochain président de la République française. Par vous et pour vous. Il n'y a que dans l'épreuve que l'on sait ce que l'on vaut vraiment. C'est fait, c'est vérifié. Oui, nous sommes capables de sauver la France. C'est confirmé, nous sommes capables de faire que la France reste la France. Pour lui rendre son identité, sa puissance, sa prospérité, sa sécurité et sa liberté. C'est officiel. Nous en sommes tellement capables que cela fait peur à tous nos adversaires. Ils ne s'attendaient pas à ce que nous soyons si forts et si grands. Ils sont surpris et tant mieux, nous allons encore les surprendre. Depuis 3 mois, ils apprennent à nous respecter. À chaque fois qu'ils ont cru que nous étions à terre, nous nous sommes relevés. De chaque polémique qu'ils nous ont inventée, nous sommes sortis plus forts. Une fois encore, mes chers amis, nous avançons envers et contre tout. Le soir du premier tour, le soir de la victoire, ils diront qu'ils savaient, ils le savaient alors qu'ils ont toujours prédit l'inverse, alors qu'ils nous promettaient que nous ne dépasserions pas les 3%. N'attendez plus leurs pronostics, ils se sont toujours trompés sur tout. Mesurons ainsi ensemble cet immense chemin parcouru. Ils nous disaient incapables de nous présenter, nous nous sommes présentés. Ils nous disaient incapables de rassembler, nous sommes déjà aujourd'hui des millions. Ils nous disaient incapables de gagner la bataille des parrainages, nous avons reçu le soutien de plus de 700 maires de France qui croient en notre victoire. Ils me disaient seul, j'ai uni autour de moi des talents et des personnalités venues de toutes les droites. Ils nous disaient incapables d'avoir un programme et nous avons le programme le plus solide de cette élection. Nous avons traversé des tempêtes, nous avons gravi des montagnes et nous nous sommes toujours relevés. Aujourd'hui, nous sommes libres et debout pour affronter l'ultime sommet qui va nous mener à la victoire. Pendant trois semaines, nous allons convaincre, rassembler, bousculer, surprendre. Pendant 3 semaines, nous allons rencontrer des millions de Français, chacun d'entre nous porte en lui le trésor du succès. N'ayez pas peur,
Allez au large, partez sur les routes de France, dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, sur les places de nos églises, aux portes de vos amis et de vos voisins. Courez, soulevez le cœur des Français avec l'esprit de reconquête qui est le vôtre. Expliquez, argumentez, façonnez le choix souverain de notre peuple. Rien n'est joué. Les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Alors tout est ouvert. Le second tour est à portée de main comme jamais. Comme vous, je vais partir partout en France. Je vais multiplier les réunions, les déplacements, les rassemblements et les surprises. Comme vous, toute mon équipe, Marion, Philippe, Guillaume, Gilbert, Stéphane, Laurence, Nicolas, Jérôme, Sébastien, Jean-Frédéric, Maxette, Basson, vont se déployer dans tous nos départements pour aller à la rencontre de notre peuple, pour soulever l'âme de la résistance et de la reconquête. Comme vous, je m'adresserai chaque jour aux électeurs du Rassemblement national qui n'en peuvent plus de perdre et qui rêvent de victoire. Comme vous, je m'adresserai chaque jour aux électeurs des Républicains qui n'en peuvent plus d'être trahis et qui rêvent de courage. Chaque jour, je m'adresserai à ceux qui hésitent, à ceux qui s'abstiennent, à ceux qui n'y croyaient plus et à ceux qui se remettent à espérer. Comme vous, je vais consacrer tout mon cœur, tout mon esprit, toute ma force, toute mon âme jusqu'à la dernière seconde pour que la droite et la France renouent avec la victoire. Comme vous, je sais que je serai la grande surprise de cette élection. Comme vous, je me prépare à porter l'espérance de la majorité silencieuse. Comme vous, je me prépare à accueillir tous les orphelins de la noble politique qui attendent depuis 40 ans la victoire des convictions, du courage et de la sincérité. Oui, je me prépare à devenir le président de la République française, le président de la France à nouveau forte, le président des Français à nouveau prospère. Oui, j'arrêterai l'immigration. Je terroriserai les terroristes. Je rétablirai l'ordre. Je sauverai l'école. Je baisserai les impôts. Je protégerai nos travailleurs et nos entrepreneurs, nos artisans et nos commerçants, nos familles, nos anciens et notre jeunesse. Je servirai notre peuple et notre patrie. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que la lame de fond populaire et la marée montante du bon sens vont tout emporter. C'est maintenant que la souveraineté populaire va briser les pronostics, les calculs, les carrières, le fatalisme et la politicaillerie. C'est maintenant que souffle le vent de la victoire, le succès de nos idées et le triomphe de notre peuple. Jamais nous n'avons été aussi proches, jamais nous n'avons été aussi près du second tour, jamais nous n'avons été aussi près de gouverner. Maintenant, il nous reste 23 jours. Dans 23 jours, vous serez dans l'isoloir. Tout à l'heure, la France va vous dire « Quelle France voulez-vous ? Quelle France voulez-vous léguer à vos enfants et à vos petits-enfants ?» Oui, il nous reste 23 jours. 23 jours pour convaincre que notre projet est celui qu'il faut pour la France. 23 jours pour dire ce que nous voulons pour nos enfants. 23 jours pour convaincre chacun de vos proches, de vos amis et sauver ensemble la France. 23 jours pour se mobiliser, pour tracter, pour boiter, pour coller. 23 jours et 23 nuits pour aller à la rencontre des Français qui ne croyaient plus, qui n'espéraient plus, qui ne votaient plus. 23 jours pour montrer que la France n'a pas dit son dernier mot. 23 jours pour bouleverser toutes leurs certitudes et imposer les nôtres. Mes chers amis, il s'agit désormais de savoir
si nous voulons que les choses suivent leur chemin ou si nous voulons nous lever. Il s'agit de savoir si nous acceptons la passivité face à la politique ou si nous décidons de nous dresser et d'écrire l'histoire. Voulons-nous sauver la France, oui ou non ? Cela ne dépend que de nous, de notre mobilisation. Est-elle réelle ? Est-elle belle ? Est-elle puissante ? Est-elle plus grande que tous les obstacles ? La reconquête est-elle possible ? Alors allons-y ! Il est temps de dire à la France, vieille nation, vieille France qui ne se reconnaît plus, cher et légendaire pays, nous voici dans l'épreuve. Nous sommes à toi, nous sommes pour toi, nous sommes avec toi. Il ne s'agit pas du tout de nous réfugier dans notre passé, mais de dessiner l'avenir que notre passé exige de nous. Est-ce possible ? Y croyons-nous ? Mes chers amis, je suis venu ce soir vous parler du destin de la France. Je suis venu vous en parler avec tout mon cœur. Vous n'avez que la France pour vous défendre et nous seuls pouvons défendre la France. Venez avec moi, avec des dizaines de milliers de patriotes amoureux de leur pays, ce dimanche 27 mars à Paris, place du Trocadéro. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur nous pour les 24 prochains jours et pour les 5 prochaines années. Alors dites à toute la France et à tous les Français que nous les attendons le 10 avril avec eux et pour eux. Personne ne nous empêchera d'être présents à ce rendez-vous. Ils ne nous déclasseront pas, ils ne nous remplaceront pas. Il faudrait nous arracher le cœur et ils n'y arriveront pas. Parce que la France qui refuse le système, c'est nous. La nation fière de son industrie, c'est nous. Le pays qui n'oublie pas les siens, c'est nous. Le peuple fier de sa patrie, c'est nous. La résistance, c'est nous. La France unie et debout, c'est nous. Le devoir de puissance, c'est nous. L'ouvrier et le travail, c'est nous. La paix sociale, c'est nous. Les entrepreneurs, c'est nous. La prospérité, c'est nous. La souveraineté, c'est nous. La liberté. Nation au monde, vive notre histoire, vive notre culture, vive notre enthousiasme, vive notre volonté, vive notre courage, vive la République et surtout,